Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un déballage de mes deux nouveaux produits, à savoir ma souris et mon clavier de chez Logitech. Juste avant de commencer la vidéo, si vous êtes intéressé par ces deux produits, je vous mettrai comme d'habitude un lien dans la description. Donc déjà pourquoi j'ai voulu changer de ces deux choses, parce que j'ai un clavier déjà d'accord, mais bon il est branché par câble donc ça me bouffe des ports USB et pareil pour la souris. Donc du coup là, j'ai décidé de changer. J'ai pas pris des produits Apple parce que les produits Apple sont extrêmement chers. Bon, je dis pas que ces deux-là sont pas donnés non plus, mais voilà, j'ai préféré prendre ces deux produits-là parce que là, pour le prix des deux produits, j'aurais eu même pas un produit Apple, quoi. Donc, j'avais pas vu qu'il y avait des ouvertures faciles, mais ouais, voilà, pour le prix de ces deux-là, j'aurais eu un seul produit Apple, donc du coup, voilà, j'ai préféré prendre ces deux produits Logitech. Et ce n'est pas en passant de produit. Donc, super clavier qui a l'air d'être en aluminium en plus. Donc on a le clavier qui est d'ailleurs magnifique, j'aime beaucoup le design. Hop. Hop, encore en plastique derrière et encore en plastique ici. On l'enlèvera après. Donc déjà le clavier est pas mal du tout. Les touches ont l'air très agréables, pour taper, vraiment pas mal. Non, pas mal du tout le clavier, franchement, pas mal. J'ai hâte de voir ce que ça vaut à l'usage. Ensuite, dans le reste de la boîte, on a... Alors là, on doit avoir des câbles, je pense. Ouais, voilà. Donc là, ça doit être les câbles de chargement. Voilà, parce qu'il faut savoir que c'est pas un clavier à pile. Donc du coup, ça, c'est très pratique. Parce que du coup, on gâche pas de pile. Et voilà, c'est tout pour le clavier. Donc, on va mettre tout ça là-bas. Et maintenant passons à la souris. Donc pour la souris c'est pareil, elle est pas donnée, mais voilà, je l'ai prise parce que encore une fois, une souris Apple c'était je crois 110 € quelque chose comme ça. Donc voilà, et là celle-là je l'ai eu pour 70 €. Elle est en promo en ce moment sur Amazon, donc voilà, si vous êtes intéressé, profitez-en. Hop. Donc là encore le câble de chargement, voilà. Et puis là, on a la souris. Nickel. Qui est d'ailleurs hyper confortable. La molette aussi, elle a l'air pas mal. Franchement, c'est... Non, ça a l'air sympa comme produit. J'ai hâte de tester ça. Et puis là, on a la petite dongle si on veut pour la connecter. Oh non, franchement, c'est pas mal du tout, ces deux produits. J'ai hâte de les tester pour voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo déballage, voilà, de mon nouveau clavier et ma nouvelle souris du coup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Allez, salut !